jeu. Aujourd'hui, je vais décrire les terribles et tragiques environnements de nos jeux. À ce particulier maintenant, il était de nouveau terriblement menteur. Il ne faisait que souvent. Et ils sont allés au laboratoire à cause qu'elle avait beaucoup blé au cassé. Ici, je vais vous présenter les reports. Dans la grande maison, le pot était ouvert et les gens sont venus à la fête de dîner au soir. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tes jours. Je vais prendre un peu de frais. Je rentre. Quel était vos plans pour épouser les riches? Il ne savait pas que je vais ça. Je vais te tuer! Fais ton souhait final! Elima, s'il vous plaît! Y a-t-il quelqu'un ici? Je ne vais pas mourir! Tais-toi et écoute! Nous pouvons faire son facile ou le faire son difficile. Je vais donner 10 secondes pour appeler ton père et demander 1 000 000 euros. Gérard, ici! C'était pathétique. Je ne pense pas que ton papa va t'aider. Maintenant, tu vas mourir. Quand on partait sur les chemins à bicyclette. Où est quelqu'un? Il y avait Fernand, je ne sais pas. Il y avait Francis. Je vais aller. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits. Comment vous êtes? Vous vous sentez quand vous avez rencontré Gabrielle? Je pensais que c'était une énorme putain. Tu sais qu'elle faisait raconter des salades. Elle m'a tellement ennuyé que j'ai voulu quitter la fête. Soudain, j'ai entendu une cube de feu. J'espère que c'était Gabrielle qui poussait avec la cervelle explosée. Gabrielle est mort! Quoi? C'est pas possible! Ah! Tu te demandes d'arrêter de bouger! J'ai écouté un cri. Tu vas bien? C'est qui s'est passé? Quelqu'un vérifie son pouls! Il est mort!
et vivante, morte. Ça devait être toi, Antoinette. Tu es le tueur. Non, je suis innocente. Mon amie est morte et vous me reprochez le crime. Nous avons besoin de l'aider. Où juste quitter? Courons. J'ai trop peur. Non, con. Nous devons s'inquiéter parce que le tueur pouvait encore être avec nous. Il y avait seulement quelques secondes après le tueur pugnaré. Et donc il est toujours dans cette chambre. Où est Brigitte? Rapidement, je pris les cours. Au cas où on attrape le tuer, je suis toujours préparée. Nous sommes les trois derniers. Tu es sûr? Allô? Un, deux. Pas de service. Quel dommage. Aidez-moi. Aidez-moi. Ah! Alors, comment est la vie en prison? Parce que quand j'étais un enfant, ma mère était une femme de ménage. Alors j'étais aussi dans cette maison. Je n'étais pas payée bien comme je faisais ce environ par jour. Je déteste la riche. Nous avons appelé la police à toi. Où vous êtes en 10 minutes? À 9 minutes, actuellement. Bonne chance en prison! Pourquoi as-tu fait ça? Je ne vais pas en prison pour longtemps. Vous allez voir moi bientôt.